Pas laissé tomber les Kurdes après la guerre du Golfe. Écoute, Wolf était responsable de ses choix. On choisit tous notre destin, quel que soit le lieu de naissance. Et si vous voulez mon avis, les mots comme destin, karma, sont juste une excuse lorsqu'on a décidé d'abandonner. Je ne suis pas d'accord. Peut-être que si elle n'était pas née sur un champ de bataille, elle aurait pu avoir une vie plus heureuse, mais enrichissante. Elle ne serait peut-être pas devenue une tueuse. Ouais. Snake, magne-toi d'aller à la base souterraine de Metal Gear. L'entrée devrait se trouver au bout du champ de neige. Je n'ai aucun doute là-dessus. À la fin de la guerre froide, les chances d'un conflit nucléaire mondial à pleine échelle avaient diminué. Mais d'un autre côté, les chances d'une utilisation locale et tactique d'armes nucléaires a beaucoup augmenté. Guerre civile, révolution, différents régionaux, on dirait que de nouvelles guerres éclatent chaque jour et plusieurs d'entre elles sont le résultat de haines séculaires entre différentes ethnies et groupes religieux. Ces gens ne pensent ni rationnellement ni logiquement. Dans ce type de conflit, on n'accorde pas d'importance au grand nombre de victimes civiles et les critiques internationales signifient peu. Une dissuasion nucléaire ne rime à rien car les réactions sont épidermiques. En plus de cela, contrairement aux missiles nucléaires stratégiques, la décision d'utiliser des missiles tactiques est laissée dans certains cas aux chefs militaires, ça fait peur. Tant que les armes nucléaires continueront à proliférer, les chances que quelqu'un les utilise vont aussi augmenter. Je m'attendais qu'elle dise un truc par rapport à Sniper Wolf. Maître, vous et moi, nous ne sommes rien que des chiens, n'est-ce pas? Voilà qui ne te ressemble pas, Snake. Tu t'es laissé perturber parce que t'as dit Sniper Wolf? Écoute, il n'y a pas un soldat vivant qui ne se pose de questions. Sinon, il n'est rien de plus qu'un meurtrier. Mais quelqu'un comme Wolf, un soldat qui ne recherche que sa propre mort, ce ne peut être bon pour personne. Dès qu'elle s'est mise à chercher la mort, c'était fini. C'est ce qui t'arrivera aussi, Snake. Ok. L'entrée de la base souterraine est au nord du champ de neige. Je surveille, Snake. Je te comprends, Takon, je te comprends. En Chine, on dit « mieux vaut vivre laid que mourir beau ». Je crois que c'est vrai. Une fois mort, tu n'as plus jamais d'occasion d'être heureux. Je ne comprends pas les gens qui veulent mourir avant leur heure. Je vous en prie, Snake, promettez-moi que vous reviendrez vivant. C'est sympa, Meiling. Bon, eh bien, on a reçu la carte... Ah bah non, on n'a pas reçu la carte. Il me semblait qu'on avait reçu la carte au niveau 7, mais ça sera pour plus tard. Ouais, il faut qu'on aille là, niveau 6. Donc alors, il y a des petites pièces de côté, hein, on peut le voir. C'est niveau 6. Parfois, il y aura des caméras... Oula, voilà, justement, il y aura des caméras, comme ici. Le problème qu'il y a, c'est que je n'ai plus de chaff. Donc, quoi qu'il m'aura peut-être deux. Je ferai deux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une boîte là. Il y a une boîte. Ouais, de toute façon, est-ce que je serai obligé de revenir là? Je crois pas. 1, 2, 3, 4.
Bon, donc ici, ça va être la fin du CD1. Donc je vais devoir switcher. Hein. Alors ici, si je ne sais pas ce que c'est un camion. Si j'utilise... est-ce que je le fais ? Oh non, je le fais pas. En gros, si j'utilise un carton ici, par exemple, où il y a écrit carton vers l'entrepôt, ben, on aura la possibilité d'être transporté directement à l'entrepôt sans devoir sans rien faire quoi hein. Donc voilà, ça peut permettre de d'aller facilement dans les autres zones du jeu quoi. Ça empêche un petit peu les zones un peu longuettes hein. Ici il faut que je me dépêche parce que si je dis pas de conneries. Il y a un truc en dessous. Ouais. Allez, fin du... Oula, justesse. Fin du CD1. En espérant que ça n'a pas merdé durant le changement. Hein. Attendez. Insérer le disque 2. Ok. Bon, je vous explique. Le jeu, je l'ai acheté quelque peu après sa sortie. Moi, j'étais gosse. Et comme tous les gosses, on fait des conneries. Moi, j'ai vendu Metal Gear Solid quelques temps après pour acheter un jeu de catch. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai acheté quelques années plus tard en Platinum. Et j'ai eu la bonne surprise de l'avoir. Pas des rires profondes, mais des rires d'utilisation, quoi. Et ça fait que... Il y a parfois des petites merdes. Il y a un monte-charge dans le secteur nord-est du rez-de-chaussée. Tu peux le prendre pour aller dans la base souterraine de Metal Gear. Tu le verras facilement. Il a une grande torche dessus. Ok. Allez, on va appeler Mailing pour voir si quelque chose à lui dire. Qu'est-ce que c'est, Snake ? Donc oui, je disais, cette partie du jeu, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'elle est un peu trop... je sais pas, il n'y a plus la même magie que dans le CD1. Mais c'est pas pour autant que c'est moins bien. Hein, c'est... Snake, n'abandonnez pas. Pensez à Macbeth, acte 5, scène 3. Je me battrai jusqu'à ce que mes os, ma chair, soient taillés en pièces. Donnez-moi mon armure. Tout le monde compte sur vous, Snake. Vous devez le faire. Macbeth, ce n'est quelque chose, ça. C'est pas un politicien ? Bref. Que je dis de la merde, hein, donc rectifiez-moi. Donc le SOCOM. Voilà. C'est parti. Donc ici, c'est une. Ça change pas mal du froid d'avant. C'est la fournaise. Tout simplement. Donc ici. Il faut vraiment faire gaffe là parce qu'on peut crever facilement. Ça m'est arrivé plein de fois. En fait, c'est simple, regardez. Il faut passer par là. Ce petit. Par là, regardez. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a ça qui bouge. Et en fait, ce qu'il faut faire, il faut essayer de passer sans que ça nous touche. Parce que si ça nous touche, ça nous pousse et ça nous fait tomber. Donc, on va essayer. C'est pas trop compliqué, hein, mais il faut juste pas merder, quoi. Bon, oh. Orbi. Voilà. Dès que ça passe, on fonce. Bon, par contre, il me fait un peu peur, ce soldat, là. La première fois que je suis arrivé ici, j'étais mort. J'ai fait, oh, mais c'est quoi ce truc? Ça fait rien, ça va me tuer. Et, wow, 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 Snake! Dans la lave, cool. Un Snake rôti. Si c'est pas original. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Ok, il est parti là-bas. Donc, on peut avancer tranquillement. Il me semble qu'il y a ici le SOCOM. Est-ce qu'il va monter? Il descend. Non, par contre, faut que je fasse gaffe parce que je crois que le. Oula! Ouais. Il est raté. Je sais pas si je peux l'avoir. Ouh! Quel?
qu'est-ce qu'on a ici? Du C4, c'est lequel? Là, il y a mon charge. Merde, je suis con. Je remonte. Non, je veux pas. Voilà. Je pourrais me retaper tout le chemin, ça sert strictement à rien. Donc ici, il y a une petite salle en bas. Mais je pense pas qu'on va y aller de suite, ça sert pas à grand chose. Pas à part perdre de la vie. Okay. Ici il y a une caméra, hein, mais bon, ça ne concerne pas. Ok, c'est nickel, donc on peut continuer. C'est parti. Par contre, cette partie du jeu, je l'aime bien. Enfin, vous voyez, le CD2, c'est pas que je l'aime pas, c'est juste qu'il y a des zones qui sont plus chiantes que d'autres, en fait. Voilà. Enfin, plus chiantes. Moins agréables à jouer, plutôt. Ouais. Parce que plus chiante, ça veut dire que tout est merdique, alors que c'est pas le cas. Des munitions de FAMAS, ça fait toujours du bien. Je trouve bien des clés morts. Ça me manque un peu, les clés morts. J'aime bien en poser partout, donc... Ici... De Socom, on va parler à tout le monde et ensuite on y va. Metal Gear est en dessous, il faut le faire bouger. Plus le temps, les terroristes sont prêts au lancement. Et les négociations? Le gouvernement n'est pas prêt à répondre à leurs exigences. Mais ils menacent de faire péter une tête nucléaire. Ils ont pris leur décision. Pourquoi la Maison Blanche est-elle si inflexible? Colonel, est-ce que tu me caches quelque chose? Snake, s'il te plaît. Occupe-toi plutôt de les arrêter. Reçu? Ok. Refais ton boulot et demande rien. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ok. Ça, elle a déjà dit. Si tu descends avec le monte-charge, tu te retrouveras dans la base souterraine. Ok, tu l'as déjà dit aussi. Miller. Ensuite Mailing et on y va. Maître. Ok, ça l'a déjà entendu. La guerre révèle la cruauté de l'homme. Ça aussi. Oh non. Putain, ça aime vraiment pas que je parle à Miller, hein, c'est fou. Hein. Voilà, c'est encore merdé. C'est pas possible ça, il y a un truc qui a un dialogue de Miller qui veut pas sortir. Et qui fait bugger le jeu. Je sais pas pourquoi. Je vais faire la même chose qu'avant. Parfois, lorsque tu sais que tout est perdu, tu continues à te battre de toutes tes forces. C'est fou ça, hein. T'as encore une chance. Bon. C'est quoi? On va arrêter de parler à Miller et on va continuer. Parce que, a priori, ils aiment pas que je lui parle. Mailing. Vous avez appelé Snake? Ouais. Je vais sauvegarder en espérant que ça ne me passe pas arraché. Ouais, donc je vais sauvegarder ici au cas où, hein. Pas que la sauvegarde soit corrompue, hein. La guerre, dit-il, est un spectre livide, et l'honneur une enveloppe vide. Et en ce qui vous concerne, Snake, votre honneur n'est-il en fait qu'une enveloppe vide? Allez, c'est parti. Merde! It's a trap!
d'où ils sortent. Non, n'empêche, c'était bien coché, hein. Snake, démolis-les tous, sinon tu ne pourras jamais sortir de là et atteindre la base souterraine. Ok. Nastasha. Pas de réponse. Pourquoi parfois je ne peux pas l'avoir, c'est fou, hein. Naturellement, dans une pièce close, tes mouvements sont limités. Mais cela ne t'oblige pas à être immobile et te transformer en cible. Tu peux vaincre si tu observes les mouvements de ton ennemi pour les contrer intelligemment. Ouais. En gros, je dois courir partout, quoi. Snake, tu ne peux pas te cacher dans l'ascenseur. Tu vas devoir te battre. C'est pas faux. Allez, c'est parti. Tu sais quoi, je vais utiliser ce qu'il m'a dit. Miller. On va courir partout. Ouah, le coup de croix à 100 fois. Voilà. Il y a une caméra à droite a priori. Ouais. Et on n'a pas de radar. Qu'est-ce que c'est, Snake? Je pense regarder. On se rappelle plus tard. Je pensais qu'il y a peut-être quelque chose vis-à-vis de ça. A priori, ce n'est pas le cas. Ah, je pense pas qu'il y en a quelque chose, mais je vais quand même essayer au cas où. Hein. On dirait que ton ascenseur ne va pas descendre plus bas. Prends-en un autre. Ok. Snake, c'est le relais entre l'ascenseur 1 et l'ascenseur 2. Pourquoi ont-ils installé un tel système? Pendant longtemps, tu pouvais prendre un seul ascenseur jusqu'en bas. Mais j'ai entendu dire qu'il l'avait changé à cause de l'intégrité de la structure de la roche. L'ascenseur 2 est à côté de toi. Prends-le. Ok. C'est parti. 3, 2, 1. Ok. Je ne peux pas être à paroi. Ça m'est inutile. Il n'y a pas des clés morts. Ah putain! Voilà, je le savais. Je le savais. Putain. Vous voyez, j'avais des bons souvenirs de cet endroit-là. Je savais qu'il y a des clés morts, mais je. J'étais plus sûr. Bon, on va y aller lentement. Bon sang. C'est fou ça. Bon, je sais pas combien il y en a. Une petite ration. Ça va faire du bien. Je sais pas si en face, ok, il y a des munitions là-bas. J'espère que je vais choper toutes les clés morts, comme ça je pourrai me lever et courir. Mais a priori, je les manque là. En tout cas, merci Otacon, hein. T'aurais pu me dire qu'ici c'est l'endroit est miné, hein. Enfin. Quoique, attends, si j'utilise mes. Mais c'est une métamique, je peux les voir, non? Ah bah oui, je suis con. Aïe aïe aïe. Il y en a une devant moi. Ok. En tout cas, c'est pas pratique, hein, s'ils veulent repasser par là, les gens. Ils devaient peut-être être au courant que je vais passer par là, qui sait. On dirait que. C'est parti. Merde, j'ai oublié de désactiver les visions de notre amie.
tant pis. En tout cas, la vidéo, elle est un peu catastrophique, hein. Plein de bugs. Ah oui. Je vais me faire un plaisir de utiliser mon SOCOM. Ah, alors, je suis pas visé, hein. Ah, j'en ai eu un. Snake ? Il faut que je te dise quelque chose sur Naomi Hunter. Quoi, sur Naomi ? On peut parler en sécurité ? Pas d'inquiétude, le moniteur est coupé. Ok. Qui a-t-il ? Tu sais, moi aussi j'étais au FBI. Ah bon ? J'avais pas. Et alors ? Le récit du Dr Hunter sur son passé, son grand-père censé être un des assistants de Hoover au FBI... Ouais. Et qui aurait travaillé en couverture pour enquêter sur la mafia à New York... Ouais, et alors ? C'est du pipeau. Que dites-vous ? Ça ne sonnait pas juste. Mais pourquoi mentirait-elle ? Elle mentait. Elle pourrait être un espion. C'est ridicule. Enfin, même un lycéen aurait détecté ce mensonge. Edgar Hoover, le patron du FBI à cette époque-là, était un raciste endurci. Naomi nous a bien dit que son grand-père était japonais. Ouais. Eh bien, à cette époque, il n'y avait pas un seul enquêteur asiatique. De plus, les opérations de dépistage de la mafia n'ont pas commencé dans les années 50. Elles ont débuté en 60, à Chicago, pas à New York. Mais... Tu devrais vérifier tout ça. Le chef et le président qui meurent mystérieusement, ce ninja, ça fait beaucoup de coïncidences. Vous pensez que Naomi aurait tout prémédité ? Je ne sais pas. Ou encore, elle pourrait être de mèche avec les terroristes. Vous croyez ? Si j'ai quoi que ce soit, je t'appelle. En attendant, fais attention. Je vais essayer d'appeler Campbell pour voir si elle a quelque chose à dire. Mais je crois pas qu'il va surenchérir par rapport à ça. Colonel, où est Naomi ? Merci. Je suis là, Snake. Quoi ? Rien, c'est pas grave. Étrange. Snake, les terroristes sont sur le point de lancer une ogive, alors bouge-toi! Ok. Ironiquement, la politique de dissuasion nucléaire. J'aime vraiment bien Natasha, mais... Je veux vous demander quelque chose à propos de Naomi. J'examine les détails en ce moment, mais ce n'est pas très joli. N'as-tu jamais douté d'elle, Snake? Snake, ne baisse pas ta garde. Ok. Les faucons peuvent manger n'importe quoi. Nous trouvons ça répugnant, mais c'est ainsi qu'ils survivent dans un climat comme celui-ci. Ok, bon. Les légendes disent que la vie d'un corbeau dure 3 fois celle d'un homme, et que la vie d'un faucon dure 3 fois celle d'un corbeau. Ce ne sont que des histoires de bonnes femmes, mais il est vrai que les corbeaux vivent plus vieux que bien des oiseaux. Les faucons nordiques peuvent atteindre les 70 ans. Ouais. Putain. On dit que les faucons ont le pouvoir de prédire la mort. Au XVIe siècle, ils ont inspiré le grand poète Marleau. Ainsi le sombre corbeau sonne de son bec creux le glas du malade, et dans l'ombre de la nuit silencieuse répand la contagion de ses ailes noires. Vis-à-vis de la peste, je suppose. On dit que les faucons ont le pouvoir de prédire la mort. Ok, ça tu l'as déjà dit. Les légendes disent que la vie d'un corbeau... Ok, bon. Il a dit tout ce qu'il avait à dire sur les corbeaux et les faucons. Si tu prends cet ascenseur, tu arriveras dans le hangar. La base de Metal Gear ne sera plus très loin. Corbeau... Quoi ? C'est bourré de corbeaux ici. Il y avait déjà des corbeaux ici avant. Mais ils ont commencé à vraiment se multiplier au moment où Foxhound s'est installé dans la base. Bizarre. Je me demande si ça veut dire quelque chose. Bizarre. Vous savez des bizarres ? Melling, comment va Naomi ? Hein ? Bien, je pense. Qu'y a-t-il ? Qu'est-ce qu'il y a, Snake ? Si vous voulez parler à Naomi, pourquoi ne pas l'appeler ? Rien. Oublie ce que je t'ai dit. Pour le type. Ok. drôle de type. Bonne chance, Snake.
Ah, j'arrive pas, hein. Attends, je vais essayer. Attends, il me semble pas qu'il y ait des mines ici. Hein. Ouais. Je ne fais pas ça pour rien, vous inquiétez pas. Hein. Je n'arrive pas à les avoir, hein. C'est fou, ça. Bon, je sais pas si ça sert à quelque chose si je prends mon FAMAS, mais... Pour faire l'épouvantail, tu sais. Les pauvres bêtes, les corbeaux aussi sont des créatures de Dieu. Oh. D'abord les rats, maintenant les corbeaux. On aura tout fait, hein. Je vois ce qu'il y a là-bas. Ensuite, on aura de nouveau un boss. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appelle quelqu'un ou j'attends de... Ouais, je vais voir si y a quelque chose à dire, mais je pense pas. Hein. Snake, les terroristes. Ok, ça je dis. Oh merde. Ça ne va pas, ce n'est pas grave, merci. Hein? Snake, arrête de me faire pitié. Ok. Et va à la base de Metal Gear tout de suite. Merde. Cet endroit se trouve au beau milieu du permafrost. Comme son nom l'indique, il ne fond jamais. On dit que plus de 85% de l'Alaska est fait de permafrost. Il fait extrêmement froid, Snake. Si tu ne te presses pas, tes rations C vont geler. Ouais. Pour empêcher tes rations C de geler, tu peux les tenir contre ton corps en les sélectionnant. En gros, si elles sont gelées, il faudra les réchauffer pour pouvoir les utiliser. Il fait extrêmement froid, Snake. Si tu ne te presses pas, tes rations... Merci, à part ça... Cet endroit se trouve au beau milieu du permafrost, comme son nom l'indique. Ok. Nastasha. L'Amérique et la Russie ne sont pas les... Otacon. Et ensuite, on y va. Mais qu'est-ce que tous ces corbeaux font ici? Les corbeaux? Aucune idée. Il y avait déjà des corbeaux ici avant, mais ils ont commencé à vraiment se multiplier au moment où... Ça, tu l'as déjà dit. Parti.